l'opportunité que vous attendez est déjà là sous vos yeux au moment actuel où je vous parle, mais vous ne la voyez pas. Alors, comment la détecter? Comment la reconnaître justement parmi tous les autres faux semblants? Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Weekesh Copy. Alors, souvent on se dit, et moi ça m'est arrivé, ma situation à moi est différente, ma situation à moi est difficile, je n'ai pas d'opportunité. Alors que les opportunités existent déjà en ce moment même où je vous parle et qu'elles sont tout autour de vous. Par contre, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est les reconnaître. Et je ne vous parle pas de l'opportunité avec du dernier objet à la mode. Non, ça, le dernier objet, enfin, quand je dis objet, la dernière stratégie, dernier type de formation à la mode, ce n'est pas ça une opportunité. Ce que j'appelle une opportunité, c'est une stratégie, des principes fondateurs qui font évoluer votre business à des niveaux impressionnants de chiffre d'affaires et surtout de profit pour vous, mais sur le long terme. Le but, c'est pas de faire un coup d'un soir, si je puis dire. Non, c'est de faire des affaires sur le long terme, d'aider vos clients sur le long terme, de vivre pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, bref, de faire toute une carrière avec votre activité. Et qu'est-ce que ça implique? C'est de dire que les choses évoluent. Le monde évolue constamment. Donc, votre entreprise, votre architecture d'entreprise doit évoluer. C'est comme les voitures, elles évoluent constamment. Vous avez dû le remarquer, les voitures évoluent, ce qui veut dire que elles s'améliorent avec le temps, elles se perfectionnent et elles deviennent de plus en plus performantes. Eh bien, votre activité, c'est pareil. Elle doit devenir de plus en plus performante. Et pourquoi les entreprises, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises qui tirent la langue en France? Parce qu'elles ne savent pas reconnaître ces opportunités quand il y en a une. Elles ne savent pas s'adapter au monde qui change. Bref, comment faire ça concrètement? Eh bien, ça veut dire que vous devez aiguiser votre notion de clairvoyance, votre intuition, votre conscience. C'est-à-dire la conscience que vous avez de la réalité du monde, parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes vivent dans un monde illusoire. Par exemple, l'illusion la plus tenace, c'est qu'il y en a, ils sont persuadés que les gens achètent via la logique, que les gens agissent par déduction logique. Rien n'est plus faux, c'est l'émotionnel qui dirige 98% des gens, sauf 2% et 2% qui regardent la réalité telle qu'elle est, qui permettent d'utiliser cette réalité pour apporter de la valeur et d'en vivre très confortablement. Donc, comment augmenter votre clairvoyance, votre conscience du monde, votre intuition, votre connexion avec les énergies qui circulent dans le monde? Là, je vais vous donner quelque chose de très, très concret. Hein, on ne parle pas de bisounours, de loi d'attraction, de je ne sais quoi d'autre, non. Concrètement, il faut lire. Les leaders sont toujours des lecteurs, parce qu'à chaque fois que vous allez lire des livres, que ce soit dans le business, l'entrepreneuriat, dans votre domaine d'activité particulier, vous allez apprendre des nouvelles choses ou vous allez vous rendre compte que quelque chose que vous croyez connaître, le pire c'est de croire connaître quelque chose alors qu'on ne le connaît pas vraiment, eh bien vous allez le redécouvrir. Et justement avec cette nouvelle connaissance, cette nouvelle découverte de quelque chose que vous croyez connaître, ça va vous ouvrir un nouveau champ d'opportunités, de possibilités. Parce qu'il faut bien se le dire, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de s'enrichir. Je ne dis pas que c'est rapide, hein. Ça demande du travail. Je n'ai pas dit que c'était sans rien faire. Du travail, ça prend un certain temps. Mais dans notre monde actuel, notre époque actuelle, ça n'a jamais été aussi facile et accessible, surtout à tout le monde. Parce qu'avant, il fallait un capital, il fallait connaître des gens, être ami avec certains notables. Maintenant, avec Internet, il n'y a plus besoin de tout ça. Ce qui compte, c'est vos compétences, comment vous communiquez avec vos prospects pour les amener à acheter vos produits. Donc, dans ce monde actuel où il y a une profusion d'argent, ok, il est mal réparti, mais à vous de prendre votre part du gâteau avec les bons principes, les bonnes stratégies. Et c'est pour ça que la lecture va vous aider à prendre conscience de ces opportunités que vous ratez probablement, de ces éléments qui vous entourent,
de ces nouveaux axes de développement pour votre entreprise. Donc ça, c'est première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est, comment dire, calmer vos pensées, être en paix à l'intérieur de vous-même. Parce que si vous courez à droite, à gauche, complètement submergé, stressé, vous n'allez pas voir les opportunités ou vous n'allez pas savoir les saisir au bon moment quand il le faut, quoi, tout simplement. C'est pour ça que vous devez être en harmonie à l'intérieur de vous-même, dans votre état d'esprit, c'est-à-dire avoir des pensées constructives, positives, dresser le cheval fougueux de votre esprit pour qu'il vous guide comme un aimant vers ses opportunités. Comment faire ça concrètement? Je sais, c'est un peu abstrait, vous dites « Mathieu, t'es bien gentil, mais là, c'est le brouillard. » Eh bien, la méditation ou la relaxation. 10 à 20 minutes chaque jour de relaxation, de méditation, ça va vous permettre d'avoir une plus grande clairvoyance, des sens beaucoup plus aiguisés, une intuition beaucoup plus pointue sur les possibilités du monde qui vous entoure et de saisir à pleine main ces opportunités qui n'attendent que vous. La méditation extrêmement importante, de plus en plus de monde en parle, mais c'est pas ceux qui en parlent qui le font forcément. En parler, c'est bien, le faire, c'est mieux. Donc si vous avez eu l'idée, vous dites « je verrai plus tard », non, c'est « je verrai tout de suite, maintenant ». Ça fait 2 ans que je fais de la méditation. Au niveau de la concentration, ça n'a plus rien à voir de mon côté. J'arrive à être mieux concentré, des bénéfices concrets, hein, je vous parle. Au niveau de la mémoire, ça a explosé mon niveau de mémoire. Alors peut-être qu'avant, je n'avais pas beaucoup de mémoire, vous me direz. Et que maintenant, j'ai une mémoire normale, je ne sais pas. En tout cas, mon niveau de mémoire a explosé, de mémorisation des éléments. Et des idées, j'en ai à la pelle. J'ai plein d'idées de produits, notamment avec l'intelligence artificielle. Il y a mon équipe de développeurs qui travaille constamment dessus pour l'améliorer, la rendre encore plus fine, plus puissante, notamment quel que soit le marché, que ce soit sur l'immobilier, la bourse, le e-commerce, l'infoprenariat, les formations en ligne, les thérapeutes, bref, c'est... Enfin, la version que là je suis en train de tester, qui est juste privée pour moi, elle est extrêmement puissante. Je vais la rendre disponible à quelques entrepreneurs, enfin à mes clients actuels, là, finalement, qui me font confiance. Eux, ils auront accès gratuitement à cette nouvelle version. Donc, voilà ce que vous apporte concrètement la méditation. 20 minutes par jour, vous en retirerez des bienfaits énormes. Et je ne parle même pas de niveau d'énergie qui va exploser en flèche. Vous serez tout le temps en pleine forme. Vous allez mieux dormir. Enfin bref, c'est à faire absolument. Donc déjà, rien qu'en faisant ces 2 éléments, vous allez saisir les opportunités qui s'ouvrent à vous. Et troisième chose, c'est... rester focus sur le même objectif, c'est-à-dire avoir un grand objectif. Trop de personnes, justement, une fois qu'elles savent détecter les opportunités, elles se rendent compte que le monde est plein d'abondance, qu'il y a énormément de choses à améliorer. Beaucoup de clients, justement, prêts à payer pour ces choses-là et elles courent partout, comme un chien fou devant un festin, quoi. Et c'est l'indigestion. Et du coup, entre guillemets, elles se rendent malades et rien ne va plus, quoi. Donc la troisième étape après, ça va être d'apprendre justement à rester concentré sur un but déterminé. D'avoir votre but déterminé et d'être toujours, toujours concentré dessus. Donc de saisir uniquement, et je dis bien uniquement, les opportunités qui vous rapprochent de votre but déterminé, et ça vous permettra justement d'avancer encore plus rapidement. Et au lieu de vous dire je ne sais pas quoi faire, eh bien vous allez vous dire bah tiens, je vais avancer sur cette direction là et vous allez continuer. Et bien évidemment, tout le chemin ne va pas se dérouler face à vous d'un seul coup. C'est comme quand vous conduisez la nuit avec une voiture, les phares éclairent peut-être 10, 20 ou 30 mètres devant vous, pas guère plus loin. Bien, c'est pareil, quand vous allez saisir des opportunités, vous verrez peut-être
un mois, deux mois, trois mois ou six mois devant vous, mais pas pour les 10 ans à venir. Mais tant que vous respectez certains principes clés que je partage avec vous à travers ces vidéos chaque jour, eh bien, il n'y a pas de souci à se faire. Le fait de respecter les principes, vous êtes sûr de toujours pouvoir vous relever, même en cas d'échec, parce que vous rencontrerez forcément des échecs. Quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend, ça n'existe pas. Tout le monde rencontre des échecs. Mais c'est en ayant cette capacité à rebondir après un échec que vous transformez ceci en une victoire éclatante. Donc, mettez bien en pratique ces trois étapes. La lecture, la méditation et d'avoir un but déterminé. C'est extrêmement, extrêmement important. Et là, je peux vous garantir que vous allez vous construire déjà une belle entreprise, que vous allez aider énormément, énormément de clients qui vous seront reconnaissants et vous serez fiers de vous-même tout en vivant très, très confortablement de votre activité. Passez bien à l'action. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, il reste encore quelques jours, pendant encore quelques jours seulement, vous pouvez accéder gratuitement à une partie de l'intelligence artificielle copywriting, je vous en ai parlé en début de ce podcast, qui vous donne les mots puissants pour déclencher des ventes dans votre business. Donc ça fonctionne pour la majorité des business, de plusieurs milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Moi-même, j'utilise pour plusieurs entrepreneurs qui dépassent le million d'euros de chiffre d'affaires, j'utilise cette même intelligence artificielle pour rédiger leur texte de vente. Ils en sont extrêmement satisfaits. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour essayer gratuitement cette intelligence artificielle copywriting. Tout d'abord, vous allez répondre à quelques questions. Ça permet de déterminer votre situation actuelle. Ensuite, vous recevrez un bilan personnalisé avec des premières actions à mettre en place pour obtenir des résultats immédiats, enfin dès la mise en place, on s'entend. Et donc des ventes instantanées. Et pour assurer votre croissance sur plusieurs mois, plusieurs semaines, voire même plusieurs années, vous recevez également une formation entièrement gratuite pour générer des ventes instantanées, une formation adaptée à votre situation actuelle. Donc, tout ceci est gratuit, c'est disponible encore pendant quelques jours, je ne peux pas laisser ça en accès libre. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour voir si c'est toujours disponible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est à votre tour maintenant de faire des ventes instantanées avec l'intelligence artificielle copywriting. Passez bien à l'action, de toute façon c'est uniquement, et je dis bien uniquement, en passant à l'action, vous obtiendrez des résultats. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de loi d'attraction, tout ça, non. Il faut agir. Agir, réfléchir, agir et obtenir des résultats. Je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne We Cash Copy. Salut!